Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à Mamoudzou, immersion Mamoudzou, parce que Mamoudzou est très grand, donc on commence à hauteur du bureau de finances publiques, on commence ici. Donc le live immersion commence ici, on est parti, on monte vers l'hôpital de Mamoudzou. Et ainsi de suite. Alors, on va arriver au niveau du commissariat de police de Mamoudzou. Allez, je vous souhaite un bon live. N'hésitez pas à partager le live. Ça fera plaisir toujours. Hein. Oui. N'hésitez surtout pas à partager le live. Donc ici, commissariat de police. Mamoudzou. Ici, on a le commissariat. L'hôpital de Mamoudzou CHM. Ici le CHM de Mamoudzou. Hein. Ici on a le CHM, pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. Ici on a des petites résidences là qui sont ici là. Vous voyez, c'est des résidences là ici. On a des résidences pour les gens qui viennent de l'extérieur. Pour travailler au CHM ou à Mamoudzou qui postule sur des postes. Ici, le hangar pour l'hélico du CHM. Donc c'est ici, il y a l'hélico d'intervention ici. Le SAMU, le 15. Ici, il y a l'hélico là pour les interventions de secours. Bon, on va changer de...
Alors les amis, vous qui êtes sur le live, j'espère que vous passez une agréable journée, que ça se passe bien. Je vous montre un petit peu Mamoudzou, hein, pour qu'on n'oublie pas où on est. C'est important de ne pas oublier. Il fait du bruit pour rien, lui. Alors ici, on a des locaux du CHM. Petit parking ici. Ici en face, on a les résidences aussi. En face là-bas, on a des résidences, vous voyez. Et des résidences parfois inaccessibles. Je dis bien des résidences parfois inaccessibles aux Mahorais. Et voilà, ici, jusqu'en bas, tout ça, en bas, là-bas, là, c'est des résidences. Et c'est ça que je trouve nul ici à Mayotte, que nous, propres Mahorais, on ne peut pas bénéficier de ces résidences pour vivre, pour travailler, tout simplement louer. Une très beau résidence, hein. Là, on va voir vu d'ici. Je vais vous donner la vue d'ici. Alors regardez bien ce que ça donne d'ici. Ça, c'est la résidence. En bas aussi, hein. En bas, tout ça, c'est la même chose, hein. Ici aussi, c'est les résidences à Mayotte qui sont inaccessibles pour les Mahorais. Certains d'entre nous qui demandent des résidences ici, eh ben, on ne nous donne pas de la place pour travailler à Mayotte. Et je trouve ça vachement dommage. Ah, il faut dire la vérité, les amis. Il ne faut pas se mentir, hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. Je ne dirai que la vérité, les amis. Eh oui. Donc ici, on a la route qui va nous mener vers Cavani. On est en hauteur, bien sûr. Mamoudzou est là-bas. Vous voyez, Mamoudzou est en bas. D'accord. Nous, on va prendre cette route-là. On va descendre là. Voilà, Mamoudzou, vu de loin. J'essaie de vous montrer... les rues que je ne suis pas passé, hein, on découvre ensemble les rues. Là, vous avez la rue qui descend à Cavani. Vous avez la rue qui descend à Cavani ici. Non, on va voir en détail. Vous avez le carrefour. Et puis, si vous prenez cette route-là, là, ici, la route qui descend, vous allez descendre directement au niveau du stade de Cavani. Et ici, on contourne au Mamoudzou. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez cette zone-là, cette route-là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ça ce qu'on est en train de découvrir. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Une SS. Téléconsultation médicale. Ah, il y a une téléconsultation médicale ici.
service de téléconsultation médicale. Ah bon? C'est nouveau, j'apprends ça. Il y a un service de téléconsultation à Mayotte. D'où le site est ici. On voit le site qui est là. Téléconsultation. Donc c'est pas mal. Alors, on est toujours à Mamoudzou. Hein. Je tiens à le rappeler qu'on est toujours à Mamoudzou. Alors, c'est quoi ces... C'est des résidences, je crois. Et il y a même des femmes de ménage. Est-ce que c'est des résidences? Je vais poser la question. Salam alaikum. C'est des résidences ou c'est des bureaux? Ça là. Ah, je savais pas. Alors, on va tout de suite le savoir si c'est des résidences. J'ai l'impression que c'est des résidences en fait. J'ai une forte impression que ça soit des résidences. Oui, je pense que c'est des résidences, les amis. Alors, ce coin-là, peut-être vous ne connaissez pas, de Mamoudzou. Voilà. Ça a l'air à peu près calme par ici. Oui, oui, je t'ai vu. Alors ici, on a les belles résidences de Mamoudzou. Je sais pas les critères pour avoir un logement en Mayotte. Hein. Par contre, là, pour avoir un logement, je ne sais pas trop. Hein. Alors voilà, on n'a pas trop de réseau dans ce coin-là, donc on va revenir. Alors, site sous télésurveillance. Donc voilà, tout simplement. Ben, je ne sais pas les critères. Mais de toute façon, les amis, alors je vais vous dire une chose. Je vais être honnête avec vous. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais vraiment pas vous mentir. Si vous cherchez des appartements ici à Mayotte pour louer, etc., etc., les Mahorais. Nous, on est placé très en bas de l'échelle, d'accord? Eh oui, nous ne sommes pas favorisés chez nous. Hein. Eh oui, bien sûr. Pourtant, on a beaucoup de compétences. On a des acquis aussi. Hein. Jusqu'en bas, c'est des résidences. Jusqu'en bas, tout ça en bas. Mais il n'y a pas de réseau, ça ne capte pas bien. Donc, on va prendre cette rue-là. Ah oui, c'est ça qui m'attriste, moi. Que les gens qui sont en France, qui voient des postes qui sont convenables pour eux, quand ils demandent, ils déposent un dossier pour pouvoir postuler sur le poste, eh bien, ils n'ont pas le poste. Ils n'ont pas le poste parce que, voilà, ils sont mahorais, ils sont en France, résidents en France. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Je ne le sais pas. Donc ici, on va contourner les résidences. On est toujours à Mamoudzou. Hein. On est toujours à Mamoudzou. On contourne bien. Alors. Ah, merci pour ceux qui soutiennent avec les commentaires. Que ça fait plaisir de voir l'île de Mayotte, etc. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous faire partager. Donc, vous voyez, on n'a pas l'impression en fait d'être à Mayotte. Vous voyez la vue ici, la résidence.
on n'a pas l'impression d'être à Mayotte. Alors ça, c'est pas que des Mahorais, c'est à 90% des gens, des voilà. C'est à 90% les gens qui postulent sur des postes à Mayotte, mais 90% des gens qui ne sont pas Mahorais, voilà, qui ne sont pas nés ici, c'est que des étrangers, quoi. Enfin, des étrangers. C'est des gens qui ne sont pas nés ici, voilà, tout simplement. Et nous, les Mahorais, on nous la met à l'envers, quoi, en fait. Donc, d'où on trouve... On trouve un taux de non-présence qui est très élevé à Mayotte, avec le parking qui va bien, du résidence, qui est là. D'accord. Un taux de non-présence ici à Mayotte qui est très faible. D'accord. Très 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 faible. La plupart des Mahorais sont à La Réunion, en France, un petit peu partout éparpillés. Alors qu'on doit être ici, occupé Mayotte à 90%. Et c'est ça que je trouve un petit peu triste. Que tout le monde doit être sollicité pour les postes qui sont disponibles. Accepter les gens qui sont qualifiés, que ce soit Mahorais, que ce soit autre. Que tout le monde puisse avoir un gain de cause. Mais oui. Je sais pas, hein, peut-être je me trompe, hein, dites-moi en commentaire. Hein. Peut-être j'ai pas raison, hein, je sais pas. Hein. N'hésitez pas les amis à partager le live s'il vous plaît, dans les groupes ou soit sur votre profil. N'hésitez pas pour le soutien les amis. Et voilà, je serai toujours courageux de vous montrer un petit peu plus chez nous. Dans la semaine, on va essayer... De glisser une immersion un petit peu dans le sud. Il y a un grand village que je souhaite faire depuis un moment, que j'arrive pas toujours à aboutir à cette immersion, mais je vais la faire vraiment, d'accord. Et vous allez découvrir. Alors ici c'est Mamoudzou. Pour ceux qui connaissent pas, on est toujours à Mamoudzou. Là, c'est la rue qui sort près de l'hôtel de police, ici, si vous montez là. Et là, ici, on descend, je ne sais pas. Je ne connais pas, on va découvrir. Même moi, je ne connais pas. Je ne suis pas descendu ici. Je vois que d'ici, il y a un stade en bas. Un stade de foot. Stade de foot de Mamoudzou, peut-être, je sais pas. Allons voir. On va aller voir. Alors, rectorat. Alors, ici on a le rectorat de Mayotte. Si vous voyez où c'est. Le rectorat de Mayotte est ici. Vous avez vu l'emplacement. Rectorat de Mayotte, région académique, avec son petit parking. Alors. Ici, les escaliers qui montent vers la police, l'hôtel de police. Ici, on sort directement devant. Ça va. Alors ça, je sais pas, c'est quoi? C'est une prison ou c'est quoi? J'ai l'impression que c'est une prison. Ici, on a un bâtiment à ma gauche, à ma droite, pardon. J'ai l'impression que c'est une prison ou une école. Dites-moi les amis, moi j'arrive pas à comprendre là. Des barbelés, je vois un plateau à l'intérieur, c'est plutôt une école, je pense. Je sais pas, hein. Une résidence? C'est quoi? Alors, je sais pas trop en fait. C'est peut-être une école, hein. Aucune idée. Peut-être sur la map, on peut... Je vais regarder sur la map, ça va peut-être me dire ce que c'est, parce que je suis... Alors, voyons voir, c'est quoi ce bâtiment qui est en face de moi?
Moi, je suis toujours curieux. Alors, ici, c'est quoi ce bâtiment? C'est quoi ce bâtiment? Bon, il n'y a pas d'indication, je ne sais pas ce que c'est en fait. Bon, je ne peux pas vous répondre. Hein. Alors ici, bon, alors les amis, ici on a le stade de Mamoudzou. Le stade de Mamoudzou, s'il vous plaît. Le stade de Mamoudzou, le stade de foot de Mamoudzou. Bon, est-ce que vous me suivez là? Ce que je suis en train de dire. Le stade de foot de Mamoudzou, hein? D'accord, vous êtes d'accord avec moi les amis? Ça c'est le stade de foot de Mamoudzou. Alors, puisque c'est la capitale les amis, hein, on va bien refaire la chose, hein, le stade de foot de Mamoudzou. Alors, voilà les amis, hein. Alors, puisque c'est la capitale, on doit avoir un très beau stade, ça c'est sûr. Et ici, le stade n'est vraiment pas à l'image de Mamoudzou. Je suis désolé. Je suis désolé, je le dis, hein. Oui, fort. Je pensais voir beaucoup plus d'évolution que ça. Qu'un truc comme ça. Moi, je vais l'appeler un truc. Voilà. Un truc. J'appelle ça un truc de la. Voilà, juste un petit truc comme ça. Pourquoi on n'évolue pas cet espace-là qui est une grande zone? Vous voyez le terrain, on a. Alors, on va faire un petit zoom dedans. Moi, ça m'intéresse. Salam alaikum. Alors, on fait un petit zoom dedans. On va voir les abords. On va voir les abords. Allez, on va profiter, vous allez profiter. Alors, ici, c'est des résidences, je pense. Ouais, c'est ça. Ça doit être je sais pas. Je sais pas si c'est une école. J'ai l'impression que c'est une école, les amis. Ici, là. Ici, en face, depuis tout à l'heure, je cherche c'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est une école. C'est un collège, peut-être. Peut-être. Je vais demander au monsieur. Salam alaikum. Et il quoi, l'iné? Yo, je vois. Ouais, je vois, c'est une école. J'ai à où lycée. Ah, ok. Lycée, alors, ouais, super. Alors, ici, très beau stade de Mamoudzou, les amis, chers internautes. Bon, le luxe. Le luxe, quoi. Le luxe. Hein? Ouais, super. Le luxe, super le luxe. Alors, on va prendre un petit peu de l'ampleur ici. Bon, super, nickel. C'est très propre. Ouais. Nickel, chrome. Ouais, super. Super, super, super. Aussi, des écoles ici, là. On a des écoles. En face, là. Et le très beau stade qu'il y a ici. Le très beau stade de Mayotte. S'il vous plaît, de la capitale de Mayotte, quand même. Hein. On va bien souligner la chose, dire les choses. Le stade de foot de la capitale de Mayotte, Mamoudzou. Alors, voilà. Merci. Donc, l'immersion se continue avec un grand zoom sur ce...